C'est difficile de comprendre ce que c'est le climat et pourquoi il faut s'y intéresser. Autour de moi, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais à quoi ça sert ?» Et puis, de toute manière, le réchauffement climatique, qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, ça ne nous concerne pas. Et pourtant, s'il y a bien quelque chose qui peut faire bouger cette société dans laquelle on est, c'est la problématique du climat. Parce qu'aujourd'hui, on est à un moment où la recherche scientifique nous a justement expliqué que ce qui se passe, ça se passe à cause de nous, et en tout cas à cause de la façon dont on produit notre énergie. Et si on réfléchit à cette production d'énergie, eh bien on s'aperçoit en fait que ça nous concerne tous dans notre vie, quand on se déplace, là où on habite, comment est-ce qu'on chauffe les bâtiments. Et si on s'attaque alors aux solutions à apporter à cela, eh bien c'est un peu toute l'organisation de notre société qui doit changer. Et ça, on peut le faire chez nous. Il n'y a pas besoin d'aller ailleurs, il n'y a pas besoin qu'on soit tous d'accord. On peut le faire et en plus, c'est intéressant parce que ça va faire bouger les choses dans nos villes, dans nos communes, chez nous, individuellement. On peut même aussi, en s'y mettant tous ensemble, faire des économies là-dessus. Et donc, le 22-23, eh bien, on organise un événement qui ne va pas changer les choses en un jour, mais qui va montrer qu'en fait, finalement, ces histoires de climat, eh bien, ça nous rassemble, ça nous intéresse, parce qu'en tout cas, nous, on a envie que ça change. Et quand on a envie que ça change, il faut de temps en temps se rassembler ensemble, faire un grand coup pour dire, écoutez les gars, nous autres, on a envie, on veut que ça bouge. Make it green.